Je vais vous dire, tout simplement, je vais vous dire avec ce cœur.
te dis merci pour ta parole. Je réalise que tu veux mon salut. Je réalise que tu veux mon salut. Seigneur, Seigneur, j'étais loin de toi. J'étais loin de toi. Par la vie que j'ai menée. Par la vie que j'ai menée. Mais ce soir, je viens à toi en toute humilité. Je te demande pardon, Seigneur, pour mon péché. Je te demande pardon pour mes égarements. Ce soir, je t'accepte de tout mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Que ton esprit habite mon cœur. Et qu'il le renouvelle. Seigneur, que ma vie ancienne soit passée. Et que toute chose soit nouvelle en moi. Que ton esprit. Seigneur, affermis leurs pas, afin qu'ils ne chancèlent point. Qu'ils te soient fidèles, Seigneur, que l'ennemi n'ait pas raison d'eux. Je prie, Seigneur, que tu agrées l'offrande de leur vie et que tu bénis chacune de leur vie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez regagner vos places. Que Dieu vous bénisse. Je te remercie.
puissant, il faut que tu écoutes un message puissant qui va te rendre puissant. De sorte que même les puissants sachent que tu es puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors avant de nous faire entrer dans ce deuxième temps, je voudrais dire à ceux qui sont avancés tout à l'heure, si parmi vous certains ne sont pas baptisés, je vous invite à vous approcher de la paroisse la plus proche, vous inscrire à la catéchèse pour pouvoir suivre la catéchèse et vous faire baptiser. Amen. C'est important, c'est biblique. La Bible dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Amen. Et tout à l'heure, le berger va donner des informations également sur les différents lieux de prière, parce qu'il faut que tu entretiennes ta foi. Amen. 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 Nous allons nous tenir debout. Et je veux t'inviter à prier encore le Seigneur. Amen. Le cœur va nous prendre un chemin. Vous voulez sentir ça. Vous voulez voir. Vous voulez expérimenter. Alors tu vas dire ce soir au Seigneur que tu veux toucher sa présence. Amen. Alors que le cœur prend ce chant, je t'invite à parler au Seigneur. Parle au Seigneur de tout ton cœur. Dis au Saint-Esprit que tu désires qu'il te touche. Et que tu désires toucher sa présence. Parle au Seigneur. Nous avons besoin. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, mon Saint-Esprit. Seigneur, je suis là ce soir parce que je veux toucher ta présence. Parce que je veux me laisser toucher par ta présence, Saint-Esprit. Ce soir, j'élève les mains, je t'invite de tout mon cœur, mon Seigneur. Je te prie de remplir notre assemblée de ta présence, ô Saint-Esprit. Je te prie de remplir notre assemblée de ton onction, ô Saint-Esprit. Je te prie de visiter chacune de nos vies, ô Saint-Esprit. Parle, Seigneur, mon frère, ma soeur, parle de ton cœur. Dis au Saint-Esprit de te toucher ce soir. Dis au Saint-Esprit de te toucher ce soir. Oh,
Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, confiez-vous dans le Seigneur et vous serez affermis. Confiez-moi cet prophète et vous réussirez. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu parle à ce prophète qui te donne la parole qui te permet d'entrer dans ta destinée. Amen. Et ce soir, j'ai la joie et l'honneur de vous présenter l'homme de Dieu qui nous donnera cette parole. Je voudrais, pour ceux qui ne savent pas, préciser que nous sommes de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Et l'homme de Dieu qui va nous donner la parole, il est responsable de la structure internationale d'évangélisation de cette communauté. Il est responsable d'un ministère. Dieu lui a donné la grâce de porter un ministère qui est nommé l'école d'évangélisation, dont la vision est de susciter une nouvelle génération de chrétiens remplis du Saint-Esprit, ayant la crainte de Dieu et le souci des âmes. Il lui a été également reconnu la grâce d'un ministère personnel. Amen. Cet homme de Dieu, vous le connaissez déjà, la plupart d'entre vous, c'est mon père, j'ai la grâce de l'avoir comme père. C'est l'homme de Dieu, le frère Mathias Marie. Je t'invite à acclamer le Seigneur pendant qu'il vient pour vous donner la parole de Dieu. C'est pourquoi je repose la question. That is why I'm asking the question again. Est-ce que nous sommes tous ici? Are we all here? Alors, pourquoi au milieu de nous? Why among us? Il y a une sœur. There is a sister. Qui veut aller à la maison. Who wants to go home? Elle n'a qu'à se mettre debout. You need to stand up, that sister needs to stand up. Je vais prier pour elle. I will pray for you. Afin que son esprit, son âme et son corps soient ici. So that your spirit and your soul and your body are here. Ce soir, nous allons prier. This evening, we are going to pray. Mon fils Frédéric et Loa m'ont dit. My son. Lua told me, Papa, Father, Daddy, on veut le surnaturel. We want the, on veut la puissance. The supernatural. We want the power. C'est ce qu'ils ont dit. That's what he said. Et je leur ai dit, j'aime ça. And I told him I like it. Voilà. Donc, Amen. Amen. Je veux que Dieu vous bénisse. I want God to bless you. Richement. Abundantly. Profondément. And deeply. Et que vous retourniez ici avec l'évidence d'avoir vu Dieu. And that you live here with the power of God. C'est pourquoi je voudrais que ton esprit, ton âme et ton corps soient ici. That is why I want you to be here in fullness, body, soul and spirit. Alors, on aura des moments prophétiques. We will have prophetic moments. Mais j'aime pas les chrétiens à qui Dieu parle et qui résistent à la voix de Dieu. But I do not like Christians to whom God is talking and they resist the voice of the Lord. J'aime bien le temps prophétique dans l'assemblée où j'exerce mon autorité prophétique. I like prophetic moments in an assembly where I can exercise my prophetic mission. Parce que là, le peuple de Dieu, on se connaît, on ne. Il n'y a pas de honte. Because there, we know each other.
shoulder and there is no shame. Mais souvent quand vous arrivez dans un endroit, but when you come to a place, chacun regarde son ami. Everyone is looking at his friend or her friend. Ah, si je me lève, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, if I get up, what are they going to say? Et ça perd le temps dans l'esprit prophétique. And that wastes time in the prophetic spirit. Si on doit supplier une personne pour confirmer, if we have to beg you to confirm a prophecy, on risque de perdre le temps. We will be wasting time. Deuxièmement, secondly, il ne faut rien attendre de moi. Do not expect anything of me. Je sens déjà une gloire extrême de la présence de Dieu ici. I already feel the extreme glory of the God, the Lord's presence here. Je ne le dis pas pour que tu dises ah, un amen sans un fondement. I do not tell you this so that you take it lightly. Je le dis parce que Dieu me l'a dit. I am telling you this because God told it to me. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas. Whether you believe it or not, tu vas l'expérimenter. You will experience it. Il faut se laisser conduire par le mouvement de l'Esprit de Dieu. You need to let go and be moved by the Spirit. So that you are in full communion with the Spirit. Nous étions à Martinique. We were in Martinique. Dieu a fait beaucoup de choses. God made many things. Mais le premier jour, les gens n'étaient pas habitués à notre méthode d'évangéliser. But on the first day, the people were not used to our way of evangelizing. Ils étaient dans la forme du renouveau du début là, du temps à terre. They were still in the antique way of charismatic. Voilà. Personnage Jean Pliard. Like John Pliard. Mais ils n'étaient pas habitués à la manifestation de l'Esprit de Dieu avec une gloire de l'évidence. They were not used to the Spirit manifesting himself in glory. Or, and je sais que vous êtes habitués. And I could say that you are used to that. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu et vous-même en tant que des serviteurs, des servants de Dieu. Because you are the servants of God. Donc facilitez la tâche. So it is helping us, is making the job easy. Amen. Donc voilà un peu les deux choses que je tenais à vous dire. That is the two things I wanted to tell you. Nous allons adorer Dieu. We are going to adore God. J'ai un chant qui me met en transe. I have a song that put me in trance. Un trance prophétique, bien entendu. A prophetic trance, obviously. Amen. 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 Ok. Est-ce qu'il y a des abeilles ici? Amen. Mettez-vous debout, les abeilles. Amen. On entend le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, merci. Merci. Cherche la traduction d'Abel. Ah, Abel. C'est un Abel. From the tribe of Abel. Abel, Abel, Abel. Voilà. Amen. Nous allons nous mettre debout. Can we stand up, please? Nous allons adorer le Seigneur. We are going to adore God. Ce soir, je vais parler de. I will talk about his presence will manifest among us. Lui est l'arche de sa majesté. He is the one with his majesty. Le tout-puissant. He is the Almighty, the All-Powerful. There is no other. À la seule invocation de son nom. And only by calling upon his name. Everything shall bow. Et c'est lui que tu dois adorer. And that is the one we are going to adore. Si tu connais ce chant, if you know this song, je voudrais que tu chantes avec nous. I would like you to sing it with the choir. Jésus, tu es tout pour moi, ma gloire.
Je ne sais pas ce qu'il a fait. I don't know what he did. Mais je veux dire à cette personne. I want to tell to this person. Le fait que tu sois présent ici. The fact that you are here present. C'est un point de contact de l'intervention de Dieu. It is a point of contact for God to intervene. Sans aller en profondeur de ce que ce qui est à la base. Without going deeper of the reason why you are here. C'est pas moi qui dis quoi que ce soit. Because it's not up to me to say whatever. J'ai prié pour cette personne en allant appuyer sur la personne qui représente cette personne ici. I want to pray for that person because he's representing the person who's in prison here. Je l'entends ma voix. If you hear my voice, je vais te prendre son courage de me dire. Take your courage and come forward. Come to me. You want to have the contact of God between you and the person who is in prison. So come forward. Je vais prier également pour une autre personne. I want to pray also for another person. Elle allait à l'hôpital. She went to the hospital. On a découvert une masse. They discovered a mass. Mais on n'a pas encore fait l'analyse. But they have not checked it out. Elle m'a au niveau du bas ventre. So you have a pain on at the lower abdomen. Je vais prier pour la personne. I want to pray for that person. En tant que Dieu que je prie, j'adore. And so that the God I pray to and that adore. Ce que l'ennemi avait planifié comme résultat médical. So that what the enemy has planned as a medical result. Soit annulé et qu'on donne une autre vérité. Yes, I pray to that cancer. Je voudrais qu'elle vienne ici. I would like you to come forward. Courage. J'ai entendu une voix. I heard a voice. J'ai une jeune fille ici. I have a young man here. Son père et sa mère. Her father and mother. Se sont séparés il y a de cela 5 ans. They have been separated 5 years ago. Et ça a troublé la vie de cette jeune soeur qui est ici avant. And that troubled the life of this young man who is here. Ça a beaucoup perdu de sa vie. That her life was totally burnt out. And she needs internal healing, inner healing. Parce que ce qu'elle vit est à la base de cela. Because what you are living is based on that situation. I want to pray for you. Seigneur, je veux te dire merci. Lord, I want to thank you. Je veux prophétiser ce soir. I will prophesy this evening. Je veux prophétiser. I will prophesy. Est-ce que je peux continuer à prophétiser? Can I continue? Il y a ici une jeune fille. There is a young lady here. Excuse-moi de te dire la vérité, mais je suis ce que tu vis est une réclamation fondée sur une malédiction. Oh, forgive me for telling the truth because what you are living is a demonic claim. Je t'ai d'abord une vision.